La sécurité est une des priorités où on sécurise chaque place où a lieu le marché de Noël. On sécurise les rues qui permettent d'aller d'un site à un autre. C'est une coproduction de sécurité entre effectivement la police nationale qui est compétente sur la ville de Metz, la police municipale et les soldats de l'opération Sentinelle, donc chacun dans leur mission réciproque. Sachez que vous avez quotidiennement 2 à 3 patrouilles de la police nationale, vous avez à peu près la même chose de la police municipale, et vous avez une section à 2 sections sentinelles. Au total, on a quand même une trentaine de fonctionnaires qui veillent sur les marchés de Noël. Alors sur les marchés de Noël et sur l'environnement aussi. Nous avons pris certaines mesures de renforcement effectivement de la sécurité sur les sites eux-mêmes. On fait des contrôles aléatoires d'ouverture de sacs sur les sites des marchés. C'était essentiellement la mesure, j'allais dire, qu'on n'avait pas l'an dernier. Et je vous dis, sur là aussi, constamment la sécurisation par les patrouilles qui sont présentes.